RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, la ville de La Rochelle en Charente-Maritime est en deuil. Oui, il y règne un silence d'outre-tombe. Même si à la cantine de Daesh, le cuistot avait fait des travers de porc, il y aurait plus d'ambiance. Les mouettes déprimées lâchent des fientes molles sur des matelots qui chialent. Le maire a contacté les Qataris afin de leur proposer d'acheter La Rochelle pour 1 euro symbolique. En rasant tout, on peut y faire un parc d'attractions. Garder cette ville n'a plus de sens, car l'université d'été du PS, deuxième plus grand événement comique au monde après le Marrakech du Rire, n'aura plus lieu à La Rochelle. Les Rochelais ne verront plus leurs enfants apeurés fuir en hurlant « Y a Martine Aubry, elle va nous manger ». Ils ne verront plus Manuel Valls trempé de sueur dans sa chemise, dégageant l'odeur des bacs à poissons du port de pêche. Fini le bon temps où Thomas Fabius grattait pour 120 000 euros de Tac au Tac TV au bar tabac Le Chiquito en attendant que papa rentre du boulot. Lors des dernières élections, les Rochelais avaient voté à gauche. Oui. Dans l'Ouest, on fait ça automatiquement, hein, comme les Bogdanov prennent leur faucille pour se raser le matin. Seulement, ils avaient voté pour des dissidents, notamment Olivier Falorni, élu député face à Dieu, enfin Ségolène Royal, qui avait guéri cette atroce blessure narcissique en faisant imprimer 7000 t-shirts à son effigie avec écrit « I'm the boss ». Les Rochelais pas gentils sont donc punis. Le PS, c'est la mentalité des élèves de CE1 dans des corps de vieux. Et l'université d'été, du coup, se fera à Nantes. Oui. C'est là que vit le seul panda neurasthénique de France à ne pas être dans un zoo, Jean-Marc Ayrault. Le PS était réuni hier à Paris pour prendre essentiellement cette décision. Oui, et ils ont rédigé la feuille de route jusqu'à l'élection de 2017. Programme intitulé « Au petit bonheur, la chance » et sous-titré « Un coup de bol et ça passe ». Le PS ne dit rien quant à une primaire à gauche. Hein, donc Hamon, Philippe Etier et les trois autres gauchistes fous vont manger le chapeau de la maire de Fontenay. En 2017, le candidat, ce sera Hollande, hein, bien sûr. D'ici là, comme Sarkozy, il écrira un livre pour expliquer à quel point il a été médiocre, se flagellera avec des orties, se fera traîner en culotte de peau derrière un poney au galop, et tout lui sera pardonné. Il sera de nouveau vierge, telle Régine si elle pouvait revenir 102 ans en arrière. En attendant, Hollande se balade. Hier, il a assisté au match du rugby, et avant, il a fait le salon de la boulangerie à Paris, hein, réservé aux professionnels. Donc lui, hein, ça fait 40 ans qu'il tape dans le plat à Chouquette. Alors c'est en fait le salon de la boulangerie, de la pâtisserie, de la chocolaterie et de la glacerie. C'est l'antre de Belzébuth pour le docteur Ducamp. Lâcher Hollande là-dedans, c'est comme faire entrer un ado en pleine montée d'hormones au salon de l'érotisme. Ça a été un massacre. Hein, Hollande s'est jeté les pieds en avant sur une vitrine contenant des Paris-Brest en criant Banzai. Et il a fait une overdose de beignets pommes. Et s'il est réélu, eh bien il reprend pour 5 ans de milliardise, Bernard. C'est le PS qui l'a dit hier. Merci beaucoup, Tanguy Pastureau. Je vous souhaite une excellente semaine. Également. Et on se retrouve vendredi prochain, oui. Bien sûr, sans faute.